Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon ben, comme vous le savez, en ce moment, pas de pêche, m'a immobilisé. Du coup, j'en profite pour vous présenter les produits, les billes NutriCarp surtout. Ça fait maintenant plus d'un an que je pêche avec. Vous avez été un paquet à venir me poser des questions sur ces bouillettes, donc on va approfondir tout ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est une bouillette artisanale de fabrication française, roulée en Languedoc-Roussillon, avec des farines et attractants de qualité et des œufs frais cuits à la vapeur. Bon, déjà, je trouve que c'est important qu'on pêche avec des produits français plutôt que faire importer des bouillettes je ne sais trop d'où. Là, on les a pas loin de la maison, donc déjà c'est un plus. Produits français de qualité, c'est pas négligeable. Alors, ces bouillettes, elles sont disponibles en 9 arômes. Je vous laisse découvrir là. Bon, sans surprise, vous vous doutez bien que ma préférée, c'est la Scopex Milk. Ça fait plus d'un an que je pêche avec maintenant et de partout où on a été, ça a toujours fait du poisson. Surtout dans le Rhône d'ailleurs. Cette bille blanche et les billes crémeuses, ça marche très bien dans le Rhône en plus. Alors, c'est un plus. Après, il y a aussi les iMoule qui nous ont rapporté une paire de poissons, mais plutôt en gravière. En rivière un petit peu, mais surtout en gravière, elles auront bien marché. En début de saison, là, début de printemps, fin d'hiver, ça marche plutôt pas mal. Après, il y a les épices poivres aussi que j'ai pas mal aimé pour l'hiver. Surtout sur le Rhône, je les ai utilisées. Elles ont pas mal fait le taf. En plus de billes oranges comme ça, ça marche plutôt pas mal. Il y a aussi les raies d'écrevisse qu'on aura utilisé pas trop de fois, une seule fois en stalking là en rivière. Elles ont donné un peu de poisson sur une rivière où les poissons ils voyaient jamais de bouillettes, donc c'est plutôt cool. Après, malheureusement, j'aurais pas eu le temps de tester tous les arômes encore, mais je sais qu'il y a la crabe foie qui fait des folies, Squid Selfish il me semble aussi, elle fait vraiment du poisson. Alors vous pouvez retrouver toutes ces bouillettes en différents diamètres, en 16, 20 et 24 mm il me semble, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, avec ça, vous avez les pop-up en 16 mm, les wafters en 20 mm qui nous ont donné vraiment pas mal de poissons, dont la dernière grosse commune sur le Rhône. Sur une zone bien calme, les wafters, même en rivière, ça fait vraiment le taf. Après, quand c'est trop en plein courant, la bille elle a tendance à faire ça et je suis pas sûr que ce soit le top, à part sur des poissons qui attendent justement quelque chose pour attaquer. Ensuite, on a les blindés en 20 et 24 mm. Ça, c'est pareil, j'avais jamais trop utilisé de blindés avant, un peu de filet anti-chat ou des merdouilles du genre. Mais là, sur 2-3 pêches, sur des zones vraiment infestées de chats, de tortues, d'écrevisses, de tout ce que vous voulez, une fois, il faut les laisser un petit peu sécher par contre. Même comme ça, elles ont fait le taf, mais elles sucent quand même un petit peu. Alors que si on les laisse sécher 48 heures hors de leur boîte, pré-percé bien sûr, parce que sinon après c'est comme ça, ça fait mal. Et ensuite, avec ça, pour chaque arôme, bien sûr, vous avez les dips. Bon, là ils ont appris un petit peu dans le museau, mais ils le font bien, surtout le dip Scopex Milk. C'est vraiment blanc, crémeux, c'est une tuerie cette bestiole. En plus de ça, vous avez aussi les pâtes d'enrobage en 250 grammes. Malheureusement, j'en ai pas là. Elles font bien le taf aussi, juste les surmouiller un peu avec du dip pour les rendre molles. Et après, ça le fait bien. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces produits sur la page Facebook NutriCarp en envoyant un message privé. Je vous mets tous les tarifs dans la description. Je vous le mets là pour l'instant. Malheureusement, avec le Covid et tout, il y a eu des petites augmentations de livraison. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, il faut s'aligner. Voilà, en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions sur ces produits, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur Insta, sur la page CarpStyle. Je serais ravi de vous répondre. Je vous mets toutes ces infos dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche, j'espère. Plus que, on va dire, une grosse semaine, je pense, et on va pouvoir retourner embêter ces demoiselles qui ont bien eu le temps de frayer au moins. Ça va chier. Allez, ciao !